cette terre se réduit aux dimensions d'un stade. 100 ans que cela dure. 100 ans que la flamme originelle réchauffe l'idée d'une communauté d'esprit qui se joue des frontières. 1900, Paris. Le cinématographe a 5 ans. Et pour la première fois, il enregistre les mouvements étranges des sportifs. Ces athlètes sont de véritables pionniers. Ils participent aux seconds Jeux olympiques de l'ère moderne. Mais ces images, à l'époque, personne ne les voit. Les actualités ne montrent que l'exposition universelle, ses découvertes, ses pavillons et ses millions de visiteurs. Seuls comptent les activités mécaniques. Le cyclisme, bien sûr. Et l'automobile, qui fascine. Dans ce contexte, les Jeux, étalés sur 6 mois, passent totalement inaperçus. Sur les affiches, le mot « olympique » n'apparaît pas. Et beaucoup d'athlètes ignorent même qu'ils participent à une compétition promise à un grand avenir. On trouve de tout dans ce programme. Un marathon autour de Paris, de la pêche à la ligne sur les bords de Marne, de la boule lyonnaise au bois de Boulogne et du tir au canon à Bagatelle, avec, notez le distinguo, des épreuves de batterie de siège et d'autres de batterie de campagne. Difficile avec de telles mascarades de passionner les foules, d'autant que le sport est loin d'être une pratique. À l'école de Jules Ferry, 1 heure de gymnastique est certes obligatoire, mais rébarbative et triste ou nette. C'est de là que lui était venue l'idée de réinventer les Jeux de la Grèce antique. Pour des raisons pédagogiques, mais aussi pour rassembler la jeunesse du monde dans un esprit pacifique et désintéressé. Première étape, logique, en 1896, la Grèce. Olympiade! O sport, thou art peace. Immédiatement, les Français se distinguent en escrime et en cyclisme. Deux spécialités bien de chez nous. Ces premiers Jeux, pourtant, sont décevants. Seulement 245 athlètes, des stades déserts et des performances souvent ridicules. Pour Coubertin, c'est une leçon. Sans réelle compétition, sans enthousiasme populaire, les Jeux n'ont aucun sens. Pendant 2 Olympiades encore, la belle idée du baron va être galvaudée, malmenée. Le serment olympique. Nous jurons de nous présenter aux Jeux olympiques en concurrents loyaux, respectueux des règles qui les régissent et désireux d'y participer dans un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et la gloire du sport. Maintenant, on va demander les enfants 2000 et 2001. Les autres, qui veulent la table, s'il vous plaît. Allez-y, on rentre.
Voilà. Hop.
tête de ton corps, avec tes jambes. Allez, hop, on pousse en même temps. Voilà, toi. Attention à toi là-bas. Oui. Que la religion du muscle impose son utopie. 100 ans que les dieux du stade essaient d'égaler ceux de l'antique. 1 rite né en France d'un esprit français. Cette France qui, avec la Grèce, est l'unique pays à avoir participé à toutes les célébrations olympiques depuis 1896. Bam, bam, bam.